Salut à tous ces dames, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve dans l'épisode 10 déjà de Transfert Mercato. On commence avec le premier joueur, c'est Harry Kane, l'attaquant des Tottenham Spurs qui a réalisé cette année 49 matchs, 29 buts. C'est très fort pour un joueur de 21 ans, il a fait une très très bonne saison. Il a été élu attaquant de l'année dans la BPL, dans la Team of the Season BPL avec Diego Costa, ce qui n'est pas rien. Seulement 21 ans, il fait 1m83, 65 kg, petit gabarit, mais très furtif. Alors on l'annonce en partance pour Manchester United pour un montant avoisinant les 56 millions d'euros, ce qui est très fort. Mais Manchester, vous le savez, est nos limites niveau argent ou quasiment depuis la saison dernière, ils sont très actifs. Il va y avoir très certainement le départ de Van Persie et de Nani à Fenerbahçe. Donc on parle pour Van Persie d'environ 7 millions d'euros. Je traite un petit peu la news du départ pour vous expliquer pourquoi Harry Kane c'est possible. C'est pas tout à fait sûr Van Persie. Nani, il est en train de passer la visite médicale à l'heure où je vous parle. Mais c'est vrai que c'est plus facile d'acheter un joueur comme Harry Kane pour une forte somme et qui est très jeune et qui va avoir beaucoup d'avenir, j'imagine. En vendant derrière des gros salaires, parce que Van Persie avait quand même un gros salaire, et puis c'est surtout que cette année ça n'a pas été super, au même titre que Falcao d'ailleurs, offensivement c'était pas super à Manchester cette année, et Nani qui était prêté, rappelez-vous, au Sporting, son club formateur, bref, les deux devraient partir à Fenerbahçe, ce qui pourrait libérer et de la masse salariale et un peu de cash pour recruter des joueurs comme Harry Kane. Concernant sa carte de FIFA 15 à FIFA 16, je l'ai passé à 82, ce qui est tout à fait raisonnable et ce qui est tout à fait mérité. Je crois qu'il était à 78 ou 79 depuis la mise à jour de décembre dernier. Bref, vous me dites ce que vous en pensez, je lui ai fait une très belle carte avec 80 de vitesse, 85 en tir, 80 de physique et 80 de dribble, ce que je trouve tout à fait raisonnable et tout à fait mérité. En tout cas, moi je trouve que ça peut être une très très bonne chose de l'allier à Rooney offensivement pour l'année prochaine. Ça peut être très fort, et puis Rooney c'est un petit peu maintenant le papa de Manchester. Il est arrivé à 16 ans en provenance d'Everton, et voilà, c'est vraiment le papa Manchester, et allier un jeune joueur de 21 ans à côté du papa de Wayne Rooney, ça peut être très très fort. Et moi j'aimerais beaucoup voir ce duo anglais ensemble, aussi bien en club qu'en sélection. Le deuxième joueur, il s'affiche à l'écran, c'est Arturo Vidal, tout récemment vainqueur de la Copa América avec le Chili. Il me semble même qu'il a le brassard de capitaine. Âgé de 28 ans, cette année c'était 44 matchs, 8 buts, donc pour un milieu axe c'est très fort. Je lui ai mis un petit plus 1, il est passé de 85 à 86 avec une belle note en vitesse de 80, une belle note de tir à 80, 82 en passe, 82 en dribble, 83 en défense et 84 en physique. Donc presque quasiment la même carte que Paul Pogba, bon un tout petit peu moins grand naturellement, il fait 1m80 et 75 kg, donc ça peut être tout à fait possible qu'il rejoigne le Real. Vous savez, le Real ils aiment bien recruter ces joueurs là qui font des bonnes phases de compétition internationale. On l'a vu l'année dernière avec James Rodriguez qui avait fini meilleur buteur de la Coupe du Monde et qui avait eu le meilleur but, il me semble aussi, il a eu le meilleur but. Bref, ils aiment beaucoup, ça reste un très très bon joueur. On va pas épiloguer sur le petit problème qu'il a eu avec sa voiture de sport et sa femme, son petit accident là pendant la Copa América, qu'est-ce que je vous dis. Bref, on parle d'un montant d'au moins 30 millions d'euros. Ça devrait être possible, en tout cas c'est en négociation, ça je vous l'assure, c'est sûr. Vous avez la news dans la description comme d'habitude. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, ça peut être très très intéressant d'avoir Arturo Vidal au Real de Madrid pour la saison prochaine. Et le dernier joueur de cette vidéo, vous le découvrez, c'est Pedro, le attaquant gauche, milieu gauche du Barça. Il est âgé de 27 ans. Cette année, il a fait 50 matchs, 11 buts. Alors 50 matchs, il faut savoir qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le banc. Énormément même, vous le savez, il y a la fameuse MSN, là, ce qu'ils appellent Messi, Neymar, Suarez. Donc naturellement, ça a complètement bouché le passage pour Pedro avec la saison qu'a fait Neymar. Je suis content d'ailleurs, une petite aparté, tout le monde disait que Neymar allait se faire bouffer quand il arrivera en Europe, et ça fait maintenant 2 ans qu'il est là, et je trouve qu'il est pas ridicule du tout. Alors certes, c'est vrai que parfois il perd un peu de ballon, mais c'est le deal d'un joueur offensif, hein, et on dribble pour essayer de passer et pour faire la différence. Alors ça passe pas toujours, mais en tout cas Neymar, je suis très content de ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé au Barça, et d'autant plus cette saison. Voilà, c'est une petite aparté sur Neymar, je suis pas spécialement fan de ce joueur, mais je voulais le souligner. Donc on l'annonce à Arsenal, on l'avait annoncé aussi au PSG, là on l'annonce à Arsenal. Wenger, là depuis 2 ans, il recrute un petit peu en Liga, rappelez-vous, il avait pris Ozil, il avait pris Alexis Sanchez. Donc c'est tout à fait possible, ça peut être intéressant. On parle d'environ 20 millions d'euros pour Pedro à Arsenal. Arsenal qui se fait une petite beauté là depuis 2 ans, ça peut être tout à fait possible. Et la clause libératoire est de 150 millions d'euros pour Pedro, naturellement, Pepe Wenger.
Arsène Wenger, pardon, ne va pas payer 150 millions d'euros, vous êtes d'accord avec moi. Mais il se peut que ça dépasse un petit peu entre 20, ça sera 20 millions d'euros cash et peut-être un petit peu de bonus, 25 millions d'euros. Bref, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, ça peut être intéressant d'avoir un joueur comme Pedro, qui est bon passeur, qui percute beaucoup dans l'axe et qui est surtout très rapide. Ça peut bien se marier avec Ozil, avec des joueurs un peu d'attaquant pivot style Giroud, style Sanchez un petit peu quand il repique dans l'axe. Bref, ça peut être intéressant et j'ai, vous le savez, une carrière joueur, une carrière manager sur FIFA avec Arsenal, donc ça peut être très très intéressant d'avoir un ailier comme Pedro à Arsenal. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Il y a toujours les sources, ça, je rappelle, dans la description. Moi, je trouve que cette vidéo était plutôt intéressante avec Harry Kane, Arturo Vidal et Pedro. On traite de plus en plus de gros joueurs, de grosses sommes. Parce que là, on a presque 100 millions d'euros dans cette vidéo. Surtout, laissez-moi votre avis dans les commentaires. Maximum de likes si ça vous a plu. Vous le savez, plus il y a de likes, plus j'envoie la suite très très vite. Restez cool, surtout, c'est ça le plus important. Et soyez indulgents. Aujourd'hui, on parle de ces transferts dans ces clubs-là. S'il faut, demain, ça sera autre chose. On traite les news à l'instant T. Allez, je vous fais plein de gros bisous, les amis. Merci d'être aussi fidèle. Portez-vous bien. Ciao, ciao.